Bienvenue à tous dans Rugby Champagne, l'émission qui vous replonge dans les plus grandes carrières du ballon ovale. Dans ce sport collectif qu'est le rugby, certains individus portent une pression supplémentaire. Le pack qui ne doit pas céder, le buteur qui ne doit pas trembler, et le capitaine qui doit assurer tout le reste. Leader vocal, tactique ou technique, celui qui porte le brassard mène ses hommes vers un seul objectif, la victoire. Aujourd'hui, on vous parle d'un joueur qui ne l'a pas beaucoup connu, la victoire. Avec 106 défaites en 142 matchs internationaux, il est le plus grand perdant de ce sport, mais certainement l'un des plus beaux. On vous parle bien sûr de Sergio Parisse, le capitaine emblématique de la sélection italienne. Un joueur exemplaire, toujours présent pour son pays malgré les humiliations. L'un des meilleurs numéro 8 de l'histoire, et un symbole de courage, de loyauté et de longévité. Le genre de joueur que tout le monde rêve d'avoir dans son équipe, et le genre d'homme que personne ne peut détester. Voici l'histoire du loser magnifique, Sergio Parisse. Dès le départ, le petit Sergio Francesco Parisse montre un certain attrait pour les aventures perdues d'avance. Né le 12 septembre 1983 à La Plata en Argentine, il n'embrasse pas l'amour du ballon rond comme la plupart de ses camarades, et même la plupart des habitants de ce pays, qui à cette époque vouent un véritable culte au grand Maradona. Lui, ce qu'il préfère, c'est le rugby, comme son père, ancien joueur de l'Aquila et vainqueur du championnat national italien en 1967. Car oui, la famille Parisse est originaire d'Italie, un autre pays où le football est roi et où le rugby ne fait que très peu d'émoi. Pourtant, avec le club de La Plata, Sergio montre de belles prédispositions, au point de se faire inviter pour des entraînements avec la sélection italienne lors d'une de leurs tournées en Argentine. Grâce à ses origines et surtout à ses qualités, il intègre les équipes de jeunes de la Squadra Azzurra et, en 2002, se voit proposer un contrat pro par le club de Benetton Trevise. À seulement 18 ans, il quitte l'Argentine pour s'installer en Italie, la terre d'origine de sa famille. Une grande évolution qui lui ouvre les portes de la sélection nationale. Le sélectionneur John Kirwan a flairé le potentiel du garçon et n'hésite pas à lui donner sa chance. Il faut dire qu'en Italie, la concurrence est moins relevée qu'ailleurs, alors il faut savoir polir ses pépites. Le 8 juin 2002, Sergio Parisse devient le plus jeune numéro 8 à faire ses débuts internationaux. A partir de là, il ne quittera plus la Squadra Azzurra pendant 21 ans. Bien vu, monsieur Kirwan. Lorsqu'on lui demande de justifier son choix de s'engager avec l'Italie et non avec l'Argentine, Sergio montre déjà un caractère affirmé et des valeurs solides. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de ne pas jouer pour l'Italie. Mes parents sont italiens, nous avons été élevés en parlant italien et on partait en vacances à L'Aquila chaque été. Jouer pour l'Italie était un rêve, jouer pour ma culture et ma famille. Lorsque vous enlevez un maillot, ce n'est pas seulement un vêtement pour la journée. Loyauté, honneur et confiance, ce sont les choses qui comptent beaucoup pour moi. Avec Trevise, il s'impose en troisième ligne centre et remporte deux championnats et une Coupe d'Italie. De quoi attirer l'attention du Stade français Paris qui veut trouver son nouveau Diego Dominguez, un autre Italo-Argentin qui a fait les beaux jours du club de la capitale. Paris signe donc l'international italien en 2005. C'est le grand saut pour Sergio Parisse qui évoluait alors dans un petit championnat et qui avait l'habitude de collectionner les défaites en équipe nationale. Pas directement titulaire, il apprend aux côtés de grands joueurs comme Christophe Dominici, Pierre Rabadan ou même de son coéquipier en sélection, le lomo italien Mauro Bergamasco. Vient alors la saison 2007, une grande année pour Sergio. D'abord au tournoi Destination, où l'Italie écrit l'une des plus belles pages de son histoire. Il remporte deux matchs face à l'Écosse, leur première victoire à l'extérieur, puis face au Pays de Galles, synonyme d'une historique 4ème place. Galvanisé par ses performances avec la Squadra, Parisse poursuit son ascension avec le Stade français. Pendant la saison, il participe à plus de la moitié des matchs et depuis le banc, apporte son impact et sa discipline pendant les phases finales. Après s'être défait du Biarritz Olympique, le Stade retrouve l'ASM Clermont en finale du top 14. Si aujourd'hui, on sait que l'ASM des années 2010 était maudit par les dieux du rugby, à l'époque, le résultat n'était pas écrit d'avance.
Dominés par les jaunards pendant quasiment la totalité de la rencontre, les Parisiens renversent le cours du match dans le dernier quart d'heure et s'offrent un nouveau bouclier de Brennus. C'est fait avec Hernandez. Oui, c'est bien la fait, passe c'est au début. Sabo. Et l'essai de Sabo. Accordé. Deuxième essai de Paris. Deuxième essai de Paris. Fabien Galthié s'est levé. Fabrice Landau est fou de joie. Et le champion de France 2007, Paris, aura dominé le championnat de France depuis la première... Le quatrième en 10 ans. Et le premier pour notre Sergio Parisse, entré en jeu à la 46e et qui découvre l'allégresse d'un titre majeur. L'histoire d'amour entre Parisse et le Stade français se poursuit pendant de belles et longues années. Avec le temps, Sergio perd ses cheveux, mais gagne en puissance et en influence dans la capitale. Le plus argentin des Italiens régale Paris de sa capacité de percussion, de sa qualité de passe et de son intelligence de jeu. Parisse, c'est le prototype du numéro 8 ultra complet. Grand, puissant, capable de mettre les cannes quand il le faut, mais aussi de distribuer des caviars, dont sa spéciale, la passe dans le dos qui fait rugir Jean Bouin tous les week-ends. Pas non plus fâché avec ses pieds, Parisse peut trouver des solutions d'un peu partout et peu importe comment. C'est le genre de joueur que tout entraîneur rêve d'avoir dans son effectif, même s'il lui arrive parfois de voir rouge et pire que ça. Malgré ses petits écarts de conduite, Parisse est un homme loyal et charismatique. Le brassard du Stade français s'est logiquement greffé à son bras en 2010 pour ne plus jamais le quitter. Celui qu'il faut désormais appeler Il Capitano avait d'abord pris les commandes du navire italien. À partir de 2008, Parisse est nommé capitaine de sa sélection. Sergio est un joueur qui a de la personnalité. Il est respecté par ses coéquipiers, les arbitres et les adversaires. Ses points sont essentiels pour devenir capitaine. À seulement 24 ans, il compte déjà 48 sélections et a participé à 2 Coupes du Monde, même si le parcours s'arrête à chaque fois en phase de poule. Le Vin Diesel italien surnage dans un groupe limité, sans jamais montrer d'agacement ou de frustration. Il est bien conscient qu'il ne pourra jamais rêver de grandes épopées internationales, pourtant, il s'accroche et ne s'échappe jamais quand il s'agit de mouiller le maillot et de chanter, point sur le cœur, Fratelli d'Italia. Malgré le plafond de verre international, le talent du troisième ligne est reconnu par ses pairs, au point d'être retenu dans la liste IRB des meilleurs joueurs de l'année en 2008. Une première pour un Italien, c'est dire à quel point Parisse est un joueur à part. He catches high balls, he chases high balls, he chips, he makes turnovers on the ground, he has everything, you know. Comme un bon vin italien, Il Capitano se bonifie avec l'âge. Malgré une grave blessure au genou en 2010, il revient l'année suivante plus solide que jamais. En 2011, lors de la dernière journée des 6 Nations, Sergio et sa bande donnent une leçon de mental et d'engagement aux 15 de France et vont chercher le plus grand exploit de leur histoire contre les futurs finalistes de la Coupe du Monde. The most famous of days in Rome, the Grand Slam champions have been toppled. En 2013, contre les Fidji, il passe la barre symbolique des 100 sélections et il est également nommé capitaine des Barbarians, un honneur très rare pour un Italien. Avec cette équipe All-Star, il se régale et montre que s'il est bien entouré, il peut se muer en machine à gagner. Côté club, Parisse est toujours indéboulonnable à Paris. Malgré un passage à vide pendant presque 10 ans, le Stade français retrouve des couleurs au milieu des années 2010. À peu près à la même période où Sergio décide d'enfin se faire la boule à zéro. Plus chauve et charismatique que jamais, Il Capitano renoue enfin avec le succès. Après une défaite en finale du Challenge européen 2 ans plus tôt, les Roses et Bleus atteignent de nouveau les phases finales du top 14 en 2015. Face à Toulon en demi, Parisse débloque la situation d'une passe dont lui seul a le secret. Finalement accordé à la vidéo, Paris passe devant pour la première fois de la rencontre avec 3 points d'avance grâce à la transformation de Mornestein. Puis en finale, le Stade français refait le coup à l'ASM. 12 à 6 et c'est fini! C'est terminé! Terrible nouvelle défaite de Clermont et incroyable joie parisienne! 12 à 6, 12 points de Mornestein. Le Stade français, 8 ans après, revoit la vie en rose! Brassard au bras et sourire aux lèvres, Sergio Parisse soulève son deuxième bouclier de Brennus et marque à tout jamais l'histoire de son club. Le Stade français, champion de France de rugby,
2015. Mais si du côté de la capitale, tout se passe bien, ce n'est pas le même refrain sur la botte. Lors du tournoi 2015, Il Capitano honore sa 112e sélection et devient l'Italien le plus capé de l'histoire. Pour fêter ça, la squadra parvient à battre l'Écosse. Une victoire amère sans le savoir, car ça sera la dernière de Parisé pendant la 6 Nations. Pour se consoler, il peut savourer la victoire historique face à l'Afrique du Sud, son dernier grand accomplissement avec son pays. Car dans le tournoi, il faut attendre 2022 pour voir l'Italie s'imposer à nouveau. Une éternité. La fin d'une série noire que Il Capitano ne peut même pas savourer sur le terrain, lui qui n'est plus sélectionné depuis 2019 et un adieu raté au Japon. Décidément, sa carrière en club et en sélection sont intimement liées, car c'est aussi en 2019 que son aventure avec le Stade français prend fin après 14 saisons de bons et loyaux services. Mais à 35 ans, le vétéran n'a pas envie de tout de suite raccrocher les crampons. Désormais considéré comme l'un des plus grands numéro 8 de tous les temps, Parisé se lance un dernier défi et signe à Toulon. C'est un moment, comment dire, complexe de la situation, mais c'était pour moi voilà, une opportunité incroyable et une chance incroyable. Je pars sans regret, la tête haute et cohérent avec mes valeurs. Et je pense que dans la vie, c'est ce qui compte le plus. Là-bas, il prouve qu'il en a encore sous le capot. S'il n'a plus la puissance et la forme de ses 20 ans, il compense par son QI rugby bien au-dessus de la moyenne et son expérience acquise au cours de sa longue carrière. Surtout, son âme de leader et son professionnalisme apportent beaucoup au club varois. Mon hygiène de vie est déjà très rigoureuse. J'essaie aussi d'être intelligent sur la dépense d'énergie. Je ne surcharge pas mes semaines d'entraînement et j'essaie de ne pas surjouer sur le terrain. Avec le RCT, ses deux finales de Challenge européen perdues en 2020 et 2022, et avec un sacre pour finir en beauté, remporté face aux Glasgow Warriors en 2023, en ayant en plus joué la demi-finale face au Benetton Trévise, son club formateur. La boucle est bouclée. Car oui, Sergio Parisé a longtemps repoussé son départ à la retraite, quitte à subir les foudres de sa femme. Si j'ai dit à ma femme que j'ai fait encore une saison, il m'a tué. C'est sûr. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la fin. Parisé n'aura peut-être pas l'armoire la plus remplie des légendes de ce sport, surtout à l'international. Il reste toutefois le joueur le plus capé de l'histoire du 6 Nations, et avec 142 sélections, le quatrième le plus appelé toutes nations confondues. Sans oublier son surnom d'Il Capitano, qu'il porte à merveille, tant il a accompagné cette équipe d'Italie pendant plus de 10 ans. Bien sûr, il a plus souvent connu l'amertume de la défaite que l'ivresse de la victoire. Mais comme il le dit lui-même, ça ne le rend pas moins fier. Mener une équipe qui gagne 80% du temps, c'est facile. Lui, il ne les a jamais aimés ces chemins faciles. En portant 93 fois le brassard de la sélection italienne, Parisé est le deuxième capitaine le plus capé de l'histoire derrière l'indéboulonnable Ricci Macco. L'un a remporté deux Coupes du Monde, quand l'autre n'a jamais passé les poules des 5 auxquelles il a participé. Mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît Sergio Parisé comme un joueur hors du commun. Un numéro 8 révolutionnaire et un leader indéfectible. L'Italo-Argentin est un grand parmi les grands. Un garçon loyal et dévoué, dans les clubs où il a joué, mais surtout en sélection où il a brillé. Pendant 17 ans, il a prouvé qu'il était un joueur magique, un capitaine unique. Et c'est pour ça que tous les fans de rugby saluent la carrière de Sergio Parisé, le loser magnifique. Surtout, les gars, je ne veux pas me mettre là à pleurer ou à faire semblant de pleurer parce qu'il y a parlé de blessures. Franchement, je trouve ça un peu limite.